mardi 18 septembre 2018. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour semaine. Non? Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel, journal. Cérémonie installation divers ministres, journée mardi 18 septembre 2018. Là, nous voulons citer ministre culture et communication Jean-Michel Lapin, ministre planification et coopération externe Jean-Claude Pierre, pour nous citer ça seulement. Ensemble, nouveau ministre, ça promettre pour respecter feuille de route, premier ministre Lambaye, on a l'idée pour développer pays d'Haïti. Eddie Jackson Alexis, installé dans poste comme secrétaire d'État communication, journée mardi 18 septembre 2018. Là, dans le discours de Constance Lee, dit Jackson Alexis promet pour chercher qu'on est dans quel niveau enquête sur disparition photojournaliste Vladimir Legagneur qui disparaît depuis environ 6 mois dans zone grand rapide. Jeunesse en action, c'est sous thème sa organisation internationale francophonie ensemble avec le ministère Kilti lancé officiellement 4e édition prix jeune journaliste en Haïti. Une initiative qui visait valoriser talent jeune journaliste haïtien. Dans la page internationale journal là pour une troisième fois depuis commencement année 2018 là président Corée du Sud là rencontré avec dirigeant Corée du Nord. De dirigeants yo été trouvé au côte à côte journée mardi 18 septembre 2018 là pendant yo t'a parcouru saint Pyongyang capitale Corée du Nord. Dans visite officielle ça qui a duré 3 jours, président Corée du Sud là vient pour lui convaincre dirigeant nord-coréen sur nécessité pour lui dénucléariser région. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer, pour séduire. Les paboulés gars, la pneu n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là, c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoï, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, il y a belle di machine ça, en prix spécial, prix promotionnel. Parce que l'objectif de Universal Motors, c'est permettre plus de monde toujours rouler aux machines Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Viens admirer, viens essayer Nissan Kicks là, dans le nouveau showroom Nissan sur Route Aéroport. Nissan, innovation that excites. Les ou sont artistes, faut qu'on ait sauvé les faits à clavier. Faut songer qu'on t'a sauté à qui qu'on t'a voulu aller. Faut qu'on ait qui message voulu faire passer dans la musique. Et puis, qui j'en ai moyen qui est fanatique. Faut qu'on ait valé la création artistique. Si pour la musique, moi, je connais qui ça pour me faire. Pour moi, qu'à jouer un autre succès. Vous avez fait la banque, moi. Moi, pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. En vérité, CPJR vous dit, car vous dites, Haïti,
PJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 2093. CPJF, la clé de votre réussite. Activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là, vous venez renouveler obligation BRH. Vous entendez parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent faire petit. Débouqué pour pipiti, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre l'obligation BRH, qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, t'as joué nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit déclic sous 7% là. Qui donc? Pas de perdre nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque à toute coopérative qui est dans la fédération et dans l'autre institution financière. Eh bien, à l'obligation BRH, tout le monde qui ou pin parler Carole maléfique kounia gien plus avantage toujours l'on entrer dans obligation BRH si vous faites le fait 3 mois BRH a bon 7% intérêt si c'est 9 mois intérêt a 7.25% et puis si quoi vous faites une année dans obligation BRH ou ap joine 7.50% intérêt sous maman l'argent mettez pour mettez. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vos parents qui lui avaient confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. À travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche, Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre, Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiant Lio pas gain ce qu'on a fait qu'on a en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Olucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritain International School of Nursing, boom bagay. Ministre intérieur collectivité territoriale là, Jean-Marie Reynaldo Brunet, installé journée mardi 18 septembre 2018 là. Nouveau ministre qui tient à communication Jean-Michel Lapin, cérémonie ça a été déroulée en présence de diverses personnalités qui ont évolué dans le secteur culturel tient là, tant que directrice bibliothèque nationale là, Emily Prophète, directeur général théâtre national là, Yves Penel, pour ne citer ça seulement. Dans le discours de Constance Lee, nouveau ministre qui tient à communication Jean-Michel Lapin,
qui exprimait satisfaction pour choix ça, li considéré comme un nouveau départ dans le travail li dans le ministère, annoncé ensemble activité et perspective, li dit libre à l'organiser pour relancer qu'il ti haïtienne et puis intégrer secteur éducatif là dans le domaine art là dans pays là pendant li juré pour respecter feuille de route à calendrier gouvernement. Ensuite, intervention nouveau ministre qu'il ti à communication Jean-Michel Lapin qui était dans micro Garmin lui avec Mackenson enregistre. Le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Jean-Henri Seyant, par devant l'Assemblée des honorables sénateurs et députés, dit représentants du peuple dans toutes ses composantes, a pris des engagements. Ces engagements du chef du gouvernement doivent être l'objet de nos actions, chacun à ce qui le concerne. Ensemble, mettons-nous d'accord sur les grands chantiers d'avenir du secteur. La construction de la cité des archives, la construction de l'École nationale des arts, l'ENAT, la création des musées de la citadelle et du drapeau, la création du musée du carnaval de Jacques Mel, la construction du bâtiment administratif du ministère de la Culture et de la Communication, digne de notre puissance culturelle. Décentralisons les structures administratives du secteur parce que, mesdames et messieurs, nos sites de patrimoine, nos pratiques culturelles sont partout à travers tout le pays. Dans le nord, le nord-est, le nord-ouest, le centre, l'Artibonite, l'ouest, Nelly, le sud, la Grande-Anse et le sud-ouest. Ensemble, mesdames et messieurs, responsables de l'orientation des secteurs, des actions du secteur culturel, au nom de l'État, trouvons la réponse à cette interrogation, à savoir que deviendrait le ministère de la Culture dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. À quoi ça sert d'être directeur général ou fonctionnaire cadre dans le secteur pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, sans réaliser et laisser à la génération future quelque chose de bon, de bien et d'admirable. À cet effet, allons ensemble vers les centres universitaires. Développons des véritables partenariats pour assurer la relève. Cérémonie installation journée mardi 18 septembre 2018 la nouveau ministre planification et coopération externe Jean-Claude Pierre diverses personnalités politiques et secteurs populaires te répondent présents dans activité ça dans occasion un nouveau ministre planification et coopération externe fait connaître li prend engagement pour respecter charge et vision dans intérêt nation et puis annoncer la respecter feuille de route premier ministre là bail sous travail à fonction pral gain pour remplir dans quatre batailles qu'a fait pour arriver développer pays. Jean-Claude Pierre c'est nouveau ministre planification et coopération externe qui était dans micro Garland Sylvia Mackenson registre. Il est pour moi un grand honneur ce matin de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de mon installation en qualité de ministre de la planification et de la coopération externe. Je tiens à adresser mes plus vifs et sincères remerciements au président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, et au Premier ministre, M. Jean-Henri Seyant, de m'avoir confié la très grande responsabilité de diriger ce ministère, auquel il incombe la charge de jouer un rôle fondamental dans la conduite de l'action gouvernementale. En cette circonstance si spéciale, je prends l'engagement solennel en tant que nouveau titulaire de ce ministère de me conduire toujours et en tout état de cause en homme d'État responsable, faisant de la défense inconditionnelle des intérêts supérieurs de la nation la pierre angulaire de mon administration. J'appliquerai scrupuleusement la feuille de route qui me sera assignée par le chef du gouvernement conformément
à la haute et noble vision du président de la République. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, dès sa création en 1989, a été appelé à jouer un rôle important dans l'élaboration de projets de développement, aujourd'hui de développement durable, et ce, de concert avec d'autres ministères et les collectivités territoriales. Les grandes missions sont donc indispensables dans la mise en œuvre de toute politique publique visant le développement économique et social de notre pays. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe exerce pleinement et efficacement les attributions qui lui sont dévolues. Je mesure l'importance de la responsabilité qui m'échoit dans l'exercice de mes nouvelles fonctions. C'est évidemment en raison de cette tâche historique de développement national à laquelle je dois m'atteler dorénavant que je voudrais lancer un vibrant appel à tous mes collègues du gouvernement, au cadre de ce ministère, qui sont dorénavant mes collaborateurs immédiats, ainsi qu'aux représentants des collectivités territoriales, pour leur demander humblement, mais humblement, de m'accompagner dans ma mission qui consiste à rendre plus dynamique le ministère de la Planification et de la Coopération externe, ce ministère, afin que les objectifs de développement durable poursuivis par le gouvernement puissent être intégralement atteints. Toujours dans ça qui est pour accélérer l'installation, yo cérémonie installation secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis jeudi mardi 18 septembre 2018 là cérémonie ça a été déroulée en présence nouveau ministre qui est à communication Jean-Michel Lapin député tabac Caleb Deramo à divers cadres dans ministère dans discours circonstance li secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis qui fait connaître le gouvernement Moïse en quoi dans une communication transparente dans l'idée pour atteindre l'objectif. Et dit Jackson Alexis promet pour le chercher connaître dans quel niveau enquête sous photojournaliste Vladimir Leganier qui disparaît depuis passé 6 mois dans le cadre d'un reportage dans la zone Grand Ravine. Secrétaire d'État communication a renouvelé engagement et détermination pour promouvoir liberté la presse et liberté d'expression dans une communication publique qui fondée sous transparence. Eddie Jackson Alexis, c'est secrétaire d'État communication qui était dans le micro Jean-Dani Danis avec Mackinson au registre. La cérémonie de ce jour marque pour moi un tournant décisif de ma vie professionnelle. Je ne saurais chiffrer le nombre de rendez-vous de ce genre auxquels j'ai eu à prendre part. Surtout, comme journaliste reporter, chasseur de scoop, j'étais toujours de l'autre côté de la barre, en place toute camarade journaliste qu'il a. Mais après-midi, là, je viens comme protagoniste principal, porter le message, donner le temps. Je suis sous les feux des caméras. L'exercice est donc difficile. Pour aller changer, je n'ai pas posé des questions. Je n'ai pas traqué personne dirigeant politique, personne d'autorité dans l'État, m'a posé des questions. Je ne suis pas là comme journaliste. Je fais une expérience, et une autre expérience comme communicant. Pendant que je fais une expérience comme communicant, je fais une dérogation tout. Études communication fait dans espace que un pile monde connaît. Il pas besoin de présentation, pas besoin de publicité. En un espace ça, institut formation ça, institution ça plutôt. Moi dis on veut changer. Moi c'est en autorité dans l'État. Secrétaire d'État communication dans administration Moïse Séan. Moi c'est membre gouvernement tout neuf là. Permettez-moi mes chers convives de vous remercier de votre présence et d'exprimer ma gratitude envers le président de la République. Son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Jean Rissien, pour la confiance dont ils m'honorent en me confiant cette responsabilité. Ma mission, comme vient de le préciser le ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, consiste à coordonner la politique de communication publique du nouveau gouvernement. Entendez par là, la mise en place de stratégies et d'actions découlant d'un plan bien ficelé, élaboré à partir de modèles de communication qui tient compte d'un diagnostic de la conjoncture. Communication fonctionnait même avec toute l'autre science. Il cherchait à comprendre le phénomène, l'évaluer la situation et puis proposer des solutions à partir de modèles qui sont adaptés à la réalité qui est présentée. Ce n'est pas dans le ciel où on déploie les stratégies. Il doit considérer l'environnement social. La réalité qui est devant nous là, demander chaque action, communication, inscrit à la fois
dans une perspective efficace avec un modèle dans l'idée pour atteindre l'objectif qui fixe yo à partir du résultat diagnostic qui était réalisé sur situation communicationnelle. Certains acteurs, pas des moindres, placent les événements de juillet dernier comme la conséquence d'un problème de communication. Alors que les spécialistes croient qu'il s'agissait de préférence d'un choix de communication inadapté. C'est donc un secret de polichinelle, mais aussi un débat. Dans leurs interventions hier matin au Palais national, au moment de remettre les empilations de nomination aux nouveaux membres du gouvernement, le président de la République ainsi que le Premier ministre ont insisté beaucoup sur la notion de transparence. Autant saisir en son envol ce concept de transparence pour annoncer officiellement que nous avons choisi le modèle de communication de transparence dans le cadre de l'articulation du document référentiel de communication publique du gouvernement, ce qui sous-tend à la fois la lisibilité dans l'action gouvernementale et la visibilité des initiatives et réalisations du gouvernement, comme l'a si bien signalé le ministre de la Culture tout à l'heure. L'autre information jeunesse en action, c'est sous thème sa organisation internationale francophonie dans tête collée avec ministère Kilti, lancée officiellement journée mardi 18 septembre 2018, la 4e édition prix jeunes journalistes en Haïti. Participants yo gen pou déposer article ak reportage jusqu'à 16 novembre k'ap vini la. Dans intervention, le directeur Breka l'organisation internationale francophonie Emmanuel Adjovi qui fait connaître toute disposition déjà adoptée pour faciliter réussite 4e édition prix jeune journaliste là qui gen pour objectif valoriser talent jeune journaliste yo dans pays. Il souligne concours ça gen 3 gagnants dans chaque catégorie. Et puis déclaré premier lauréat a bien pour bénéficier d'un mois stage dans le pays l'autre bout de l'eau. Emmanuel Adjovi, c'est directeur Breka l'Organisation internationale francophonie qui était dans le micro. Jean-Denis Damien Sac Mackinson enregistre. La conférence de presse de ce matin a concerné le lancement de la quatrième édition du prix Jeune Journaliste en Haïti. Et au cours de cette conférence, nous avons annoncé le thème de cette quatrième édition qui est Jeunesse en action. Et nous avons également annoncé qu'il s'agit en fait d'un prix qui est lancé aujourd'hui et la date limite de dépôt des articles et reportages, c'est le 16 novembre 2019. Tous les partenaires sont mobilisés. Je veux nommer l'OIF, je veux nommer le Centaine, je veux nommer Suita, je veux nommer Focal, je veux nommer le Monde Diplomatique, Mediapart. En tout cas, l'UNESCO, il y a un grand nombre de partenaires qui se sont mobilisés pour faire en sorte que cette édition soit une édition de succès. L'objectif de cette activité, c'est de valoriser les talents dans la presse d'Haïti et faire en sorte que ces talents soient valorisés et que ces talents puissent sortir du train-train quotidien et nous amener des articles, des reportages qui soient à la hauteur de la créativité de la société haïtienne. Il n'y a pas une modification spécifique. Nous avons maintenu les deux secteurs d'intervention, c'est-à-dire les deux secteurs privilégiés, ce sont la presse écrite et la presse audiovisuelle. Hein, et c'est à travers ces deux canaux que les talents vont s'exprimer. Oui, il y a plusieurs catégories de primes. Il y aura 3 gagnants par catégorie. C'est-à-dire 3 gagnants par catégorie. Maintenant, les gagnants, les premiers lauréats auront l'occasion de bénéficier d'un stage d'un mois à l'extérieur d'Haïti. Et je peux vous annoncer déjà que le gagnant du prix de la presse écrite pourra bénéficier d'un stage d'un mois à Mediapart à Paris pendant un mois. Ce que nous attendons, c'est que les jeunes journalistes puissent regarder le travail et la créativité de la jeunesse haïtienne. Et c'est pourquoi le thème, c'est Jeunesse en action. Au-delà des difficultés qui existent dans tous les pays, et comme en Haïti, sortir du train-train quotidien pour proposer des regards originaux sur la réalité haïtienne, parce qu'il y a encore de la positivité dans ce pays. Donc c'est cette confiance dans ce pays qui anime tous les partenaires. Rassurez-vous, nous ne sommes pas les citoyens de la République de Port-au-Prince. Nous sommes les citoyens d'Haïti, si j'ose dire,
nous sommes les citoyens du monde, mais le concours s'est réservé aux jeunes journalistes en Haïti. Nan page internationale journal la président la Russie Vladimir Poutine rencontré ak premier ministre Hongria Viktor Orban jounen mardi 18 septembre 2018 la. Depuis l'année 2014, ça fait 7e fois dirigeant deux pays sa yo rencontré. Rencontre ça c'est une occasion pour deux dirigeants yo discuter sous relation entre deux pays yo ak impact sanction Union européenne yo ak gagner sous pays Hongrie. An suivi un reportage avec Euronews. Sourire et poignée de main chaleureuse entre Vladimir Poutine et le Premier ministre hongrois Viktor Orban. C'est la 7e fois que les deux hommes se rencontrent depuis 2014, l'occasion d'échanger sur l'état de leurs relations bilatérales ainsi que sur l'impact des sanctions de l'Union européenne contre Moscou. La Hongrie est sans aucun doute l'un de nos partenaires principaux en Europe. Nos relations se développent dans tous les domaines. Les commissions intergouvernementales de nos deux pays travaillent activement ensemble. Des relations interrégionales se développent aussi. Les liens économiques et commerciaux montrent des dynamiques positives. Viktor Orban, lui, a remercié le président russe pour le maintien de relations bilatérales solides entre leurs deux pays. La Hongrie a besoin de partenaires bons et capables. Je suis très content que nos relations soient stables et équilibrées depuis des années. On ne peut pas dire que les conditions internationales soient toujours favorables à notre coopération, mais toutes les choses désagréables existent pour que nous les combattions ensemble. Et nous avons réussi. Le Premier ministre hongrois fait partie de ces politiciens qui réclament la levée des sanctions contre la Russie. Pour lui, les deux pays ont le potentiel pour développer des liens dans les domaines énergétiques, agricoles et culturels. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau pour une troisième fois depuis le commencement de l'année 2018, le président Corée du Sud a rencontré avec le dirigeant Corée du Nord, le dirigeant qui a été trouvé côte à côte, je ne m'en dis, 18 septembre 2018, là, pendant qu'il a parcouru Saint Pyongyang, capitale Corée du Nord. Dans la visite officielle ça qui a duré 3 jours, le président Corée du Sud a gain pour lui convaincre le dirigeant nord-coréen sous nécessité pour lui dénucléariser la région. On suit un reportage toujours avec Euronews. Les dirigeants du Sud et du Nord, côte à côte, parcourant le centre de Pyongyang sous les acclamations de la foule. Une image comme les affectionne le régime nord-coréen. Pour la troisième fois depuis le début de l'année, Moon Jae-in et Kim Jong-un se retrouvent, mais cette fois, ils ont vu les choses en grand. 3 jours de visite officielle et un enjeu colossal pour le président sud-coréen, amener le Nord à donner des gages de dénucléarisation. Car pour les États-Unis, malgré les annonces de Kim Jong-un, il ne fait pas de doute que le programme se poursuit en secret. Il revient donc à Moon Jae-in de jouer les médiateurs. La Corée du Nord, de son côté, pose en préalable la signature d'un traité de paix qui met officiellement fin à la guerre de Corée. Les relations des deux côtés de la péninsule ont en tout cas rarement atteint un tel réchauffement, en témoignent ces retrouvailles de familles séparées depuis des décennies. Pour autant, l'administration Trump, qui exige des progrès sur le dossier nucléaire, a annulé une visite du secrétaire d'État en Corée du Nord le mois dernier. Le président sud-coréen va devoir déployer tous ses talents de diplomate pour que puisse s'accorder ce trio dont les deux autres membres sont bien imprévisibles. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Cérémonie installation divers ministres, journée mardi 18 septembre 2018. Là, nous voulons citer ministre Kilti à communication Jean-Michel Lapin, ministre planification à coopération externe Jean-Claude Pierre, pour nous citer ça seulement. Ensemble, nouveau ministre, ça y promet pour respecter feuille de route, premier ministre Lambay, on a l'idée pour développer pays d'Haïti. Eddie Jackson Alexis, installé dans poste comme secrétaire d'État communication, journée mardi 18
8 septembre 2018 là, dans le discours de circonstance lié à Jackson, Alexis promet pour chercher qu'on est dans quel niveau enquête sur disparition photojournaliste Vladimir Legagneur. Hier, qui disparaît depuis environ 6 mois dans zone Grand Ravi. Jeunesse en action, c'est sous thème sa organisation internationale francophonie ensemble avec le ministère Kinti lancé officiellement 4e édition prix jeune journaliste en Haïti, une initiative qui visait valoriser talent jeune journaliste haïtien. Dans la page internationale journal là, pour une 3e fois depuis commencement année 2018 là, président Corée du Sud là rencontré avec dirigeant Corée du Nord. Deux dirigeants ont été trouvés au côte à côte jeudi 18 septembre 2018 là pendant qu'ils ont parcouru Saint Pyongyang, capitale Corée du Nord. Dans une visite officielle ça qui a duré 3 jours, président Corée du Sud là vient pour lui convaincre dirigeants nord-coréens sur nécessité pour lui dénucléariser une région. C'est principale information ça y a divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au accordé à journal là. Dans le micro, pour te présenter au journal, ça, Darlene François, était branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.